Arrête-toi là. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal, s'il vous plaît. Oui, vas-y, dépêche-toi, tu vas partir. Oui, fais vite. Allez, oui, dépêche-toi. Allez, viens. Oui, d'accord, c'est bon. Va-t'en. Oui, d'accord, va-t'en. S'il te plaît. Oui, vas-y. Pourquoi tu me dis, s'il te plaît? S'il te plaît, Annie, ces garçons me tuent ici. Annie, ils me tuent. Je t'en prie, pardon. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Eh, mon Dieu. Oui. Allô, officier. Bonne journée. S'il vous plaît, je veux que vous veniez dans ma maison immédiatement. Immédiatement, officier. Je veux que ces garçons, qui sont mes propres fils, soient arrêtés. Officier, ces enfants veulent tuer. S'il vous plaît, immédiatement, s'il vous plaît. C'est d'accord, je vous attends. S'il te plaît, tu ne peux pas appeler la police de venir arrêter tes propres enfants, non, s'il te plaît. Ce sont tes garçons, hein? Ce sont tes garçons, appelle les policiers, dis-leur de ne pas venir les arrêter. Je t'en prie, pardon, ne fais pas ça. Oh, je t'en prie. C'est une affaire familiale, on peut le régler nous tous ensemble, s'il te plaît. Donc, tu l'as finalement emmené à la maison, hein? Je ne comprends plus rien. Au lieu que vous alliez dans un hôtel... Tu t'arranges le droit d'amener ma propre copine dans ma maison? Hein? Est-ce que tu t'entends deux fois même quand tu parles? Tu dis ta maison? Non, des dieux, c'est la maison de notre père et non la tienne. Non, attends, je me défie là. Hein? Et tu me défies? Tu es malade? Hein? Entre toi et moi qui es grand. Ce n'est pas écrit sur ton visage? Tu es en train de m'énerver. Tu es vraiment en train de m'énerver. Alors, regarde. Que ce soit ta première et dernière fois de te voir avec cette fille. Tu me comprends? Tu sais combien j'ai dépensé sur elle? Hein? Je dépense beaucoup d'argent avec cette fille. Fais attention. Point de correction. Je ne veux pas que tu dises ça à tout moment. Je ne veux pas. Cette fille est libre de suivre qui elle veut suivre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la maison de ton père. Il ne te l'a pas vendue. Non, mais attends. Quand je parle, tu répliques. Pourquoi ne pas parler? Tu ne peux pas parler. Je parle. Ah, tu m'as giflé, oh! S'il te plaît, je t'en prie. Comment tu m'as giflé? C'est une affaire familiale. S'il te plaît, on va parler ensemble. Je t'en prie. Merci. Tu verras ce que je vais te faire. Non, moi, je ne veux pas laisser comme ça. Non. Tu m'as giflé. Je ne peux pas le permettre. Merci, fais-moi tout ce que tu veux, d'accord, pas de problème. Non, tu ne peux pas me faire ça, je ne peux pas le tolérer, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas le tolérer, Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Où se trouve maman? Papa? Arrêtez, calmez-vous, lentement. Apaisez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne faites pas ça. Je ne peux pas laisser que ça se passe comme ça. Je ne peux pas laisser. Non, il ne peut pas me faire comme ça. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Tu veux une négociation entre moi et toi? Détendez-vous. C'est ce que tu veux? Détendez-vous. Laisse-moi lui régler son compte. Mais pourquoi vous vous battez? Vous êtes des frères.
Reviens ici. Reviens, restez. Ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Apaisez-vous, s'il vous plaît. Apaisez-vous. Je n'ai pas peur de toi. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Apaisez-vous, s'il vous plaît. Je vais faire quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Il pense que j'ai peur de lui. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. C'est un petit qui je dois. Oh, s'il vous plaît, revenez. Revenez ici, s'il vous plaît. Revenez ici. Du calme, du calme, s'il vous plaît. Je n'ai pas peur de toi. Qui a commencé la bagarre? La ferme. Ton frère d'abord. Maman. Chuko et Meka. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, maman. Maman, voilà pourquoi je t'aime. Merci. Merci de m'avoir rappelé que je suis ton grand frère. N'essaye pas de me toucher. Maman, j'étais parti au club. Et il y a une fille que j'avais rencontrée hier. Je l'avais vue au club. Maman, si tu vois comment cette fille était en train de danser, comment elle faisait sa hanche, comment elle faisait sa hanche, maman, toute ma tête était juste derrière elle. Et je t'ai emporté cette nuit-là. Maman, ces garçons stupides n'est sorti de nulle part. Les mambourous. Maman, la partie la plus pire, il l'a amenée ici. Tu sais combien j'ai dépensé sur elle, maman? Et que tu la vois comme ça, je lui ai donné 50 000 naira pour aller acheter des beaux habits. Ce garçon, il n'est nulle part. Don Chuko. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Selon lui, il t'aime. Mais maman, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que moi, je t'aime énormément. Et c'est pourquoi on s'aime tous deux. Tu me comprends très bien à chaque fois que je t'explique quelque chose. Maman, cette femme n'est pas à elle. Elle est une femme libre. Elle est libre de suivre qui elle veut en tout cas. Après tout, tu n'es pas de son genre. C'est pourquoi la fille ne t'a pas suivi. J'étais dans la boîte et par contre, j'étais très ouvert. C'est pourquoi elle m'avait suivi. Et pourquoi est-ce que tu t'es tué, non? Attendez. Non, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Ne me fais pas du mal, c'est pas votre frère, calmez-vous. Mais qu'est-ce que je perds de toi? Prévenez ces garçons. Je vais te tuer. Je vais te tuer dans cette maison. Maman, prévenez ces garçons et prévenez Léo. Si tu me cherches encore, je vais te tuer. Je vais te tuer dans cette maison. Je vais te tuer dans cette maison. Écoute, attends que je te dise. Ce n'est pas de ma faute si la fille a refusé de te suivre. Si elle a refusé de te suivre, donc tu n'es qu'un échec? Non, à qui tu t'es? Tu dois te mettre le fait que s'il tu n'es qu'un échec. Revenez ici. Revenez. Tu qu'est-ce que tu regardes ici? Qu'est-ce que tu regardes? Non mais tu es où? Maman, regarde. Maman, avertis. Lâche-moi. Tu es où? Reviens ici. Reviens, je vais te voir. N'importe quoi. Tu es où? Montre-toi, c'est ici suffisamment haut. OPJ, mais qu'est-ce qu'il y a, non? Arrêtez-vous là-bas, arrêtez-vous. N'ose pas fuir, avance là-bas. Tu n'étais même pas là lorsqu'il m'a frappé. Et maintenant, je t'interviens. Comment je vais le retrouver? Dépose ton arme. Je te dis, dépose ton arme. Je te dis, dépose ton arme. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas aimé. Bouge d'ici. Je n'ai pas aimé. Avance rapidement, avance. À chaque fois qu'il y a des portes, allez. Avance. N'importe où. Avance. Monsieur, avance. Allons-y. Doucement, avance. Rapidement. Avance. Doucement, avance. Je dis avance. Nous avons le contrôle de toutes les situations, messieurs. Ok, c'est très intéressant. Assurez-vous qu'il soit sous vos responsabilités. Pas de nourriture, comme je le disais. Est-ce clair, officier? Oui, messieurs. Quoi? Une fille? Mais elle est votée d'arrêter depuis longtemps? Je cherchais cette fille il y a de cela 3 ans. Officier, s'il vous plaît. Comme cette fille a été retrouvée, elle est de ma famille. Ça ne va pas vous déranger, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Êtes-vous là? Oui, ça ne sera pas nécessaire, officier. Je veux que vous relâchiez cette fille. Je ne veux pas qu'on puisse les frapper. Je veux que vous vous rappeliez. Pas de nourriture pour eux.
Comme je le disais, est-ce clair, officier? Est-ce clair? Ça, c'est bien. Merci. Chérie, pas de nourriture pour eux? Oui. C'est arrivé jusqu'à ce point? Ça fait des jours depuis que tu as puni tes enfants et tu continues à rester tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pas de nourriture pour eux. Ah! Je manque de paix et de bonheur à cause de tes inutiles enfants. S'il te plaît, femme, amène ta fille à l'école. C'est pour ça qu'ils doivent rester enfamés. Mais attends, papa. Quand est-ce qu'ils arrêteront de se battre? Quand, papa? Je n'arrive pas à comprendre. Pas de nourriture pour eux. Chérie, je te dis, prépare ta fille pour l'école. Si je vais aller, ce n'est pas bien haut. Ce n'est pas du tout juste. Hein? Comment tu peux demander tout ça à la police? C'est pourquoi? Il ne faut pas manger pendant plusieurs jours. Est-ce que c'est bien? J'ai pris pour qu'il ne puisse pas du tout mourir. Ah, ça veut dire quoi ça? Oh comment non! Comment faire avec ces enfants? J'ai perdu tant de marchés à cause de ces idiots. Trois marchandises déjà. C'est assez. Quel sera le sort des autres? Quitte-la. Désolée. S'il te plaît, papa, je ne veux pas dire ce qui s'est passé aujourd'hui affecte votre mémoire. Oh, Fallon, j'irai bien, d'accord? Je pense que la maison est en train de t'embarrasser. Je sais ce que tes frères ont fait de mieux dans tes pensées et cela va t'affecter. Non, je suis la seule qui doit s'inquiéter pour toi et pour maman. Nous serons bien, ma chérie, ok? Je vous aime tous. Oh, nous t'aimons, chérie. Ça, merci. C'est ma fille. Maman, allons-y. D'accord, hein, chérie. Oui, prends soin de toi, ok? C'est d'accord. Hé, hey, toi là, il y a quelqu'un à la porte. Va ouvrir là-bas au lieu de me regarder comme si tu étais toi, un homme. Dis à Maxime de la déposer à l'école. Ok. Marchou! Marchou! Dépêche-toi, oh. Présente-moi chez l'un de tes cousins avant qu'il voyage. Ça va dans ta tête? Que je te présente chez mes cousins? Pourquoi? Cela n'est pas possible. Je peux pas. Pourquoi cela n'est pas possible? Tu sais que c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Mes cousins que tu vois, ils ont leurs préférences. Des filles classes, je veux dire... pas toi. Je suis désolée. Désolée, mais je ne comprends pas toujours. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tissot? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux dire, tu es une villageoise, tu ne vois pas? Regarde-toi toi-même, tu n'es pas semblable aux filles de la ville qui t'aiment, hein? Tu vois un peu. Mais, Tissot, toi-même, tu ne vois pas? Tu sais pas que tu es une villageoise? Je suis désolée. Allez, viens, on y va. Viens. Oh, ce n'est pas mais drôle, c'est quoi les problèmes? Dis-moi. Tout ça, c'est marre à cause de mes cousins. Qu'est-ce que tu fais cette tête? En tout cas, je ne te comprends pas. Allons-y, allons-y. Maman. Oui? Oui, ma chérie. Maman. Ça fait déjà quelques jours que je ne vois pas mes frères. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter à propos. Tu vas très bientôt les revoir. Ils seront avec toi très bientôt, ma chérie. Ma chérie. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tes frères veulent tuer ton père et moi. C'est ça le problème.
Maman, comment tu peux dire de telles choses? Comment mes frères peuvent te tuer, toi et papa? Maman, c'est juste qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai. C'est ce que tu dis. Ils cassent tout. Ils se bagarrent. Et tu trouves ça normal? Et tu traites ça de cette façon? Écoute, ton père et moi sommes déjà morts, si tu ne le savais pas. Maman, ne parle jamais à négativité pour ta vie. Même la Bible appuie ceci. Oui, tout ce que tu confesses de ta bouche peut facilement t'arriver. Parle en bien pour toi. Et Dieu va appuyer cela. Bébé, tu es une fille très très brillante. J'aurais souhaité que tu viennes en premier. Tout ceci n'allait pas m'arriver. Maman, c'est comme si tu ne te connais pas toi-même. Tu es vraiment forte. Même si j'étais leur grande sœur, ils allaient toujours me traiter ainsi. Un aîné est toujours un aîné. Si tu étais venue la première, ils n'allaient pas avoir le choix que d'accepter. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tout le monde n'est pas encore de retour, viens, nous allons nous battre. Avec qui? Hein? Non, 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 je n'ai pas ces temps. C'est là où la bagarre va commencer. Toi et qui? Oh, hein? Où est-ce que tu m'amènes? Avance comme ça, avance comme ça. Allez, avance. Je n'ai pas ces temps. Franck, nous voulons faire des efforts pour le général major, mais je ne trouve pas cela nécessaire. Je vais compléter. Je vais compléter parce que, vous savez, pour que nous n'ayons pas de problème. Cetri, tu dois être un témoin pour longtemps, tu comprends? Franck, malgré ça, tu vas rappeler le général-major de venir. Ne commets pas des erreurs cette fois-ci. Est-ce clair? D'accord. Merci, monsieur. C'est bon. Cause this life is too short to wake up in the morning with regret. Oh, people change. Belle. Ne vas-tu pas aller au lit? Maman. Je dois finir avec tout ce travail que je fais avant que je parte dormir. Tu sais que tu dois aller à l'école demain. Maman, je sais. Mais si je ne fais pas ce que je suis en train de faire, je n'aurai pas nécessairement le point que je vais. Rassure-toi d'aller au lit à temps, ok? M'as-tu compris? Oui, maman. Maman. S'il te plaît, assis-toi. J'étais en train de penser. Où est-ce que papa peut faire arrêter mes frères? Belle. Je ne sais pas. Et je ne peux pas lui poser cette question maintenant. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu sais, je ne serai jamais concentrée si je ne connais pas où résident mes frères en ces moments. Concentre-toi à tes études, ok? Tu ne peux pas même le dire à ton père maintenant. Tu connais sa réaction lorsqu'il est en colère contre tes frères. Sois juste sûr que tes frères iront très bien, ok? Ok, maman. As-tu confiance en moi? D'accord, ma chérie. Bon sommeil. Bonne nuit. Va au lit à temps, oh, s'il te plaît. M'as-tu entendu? Oui, maman. Je t'avais dit qu'elle a des réactions étranges. Elle inquiète comme toi. Juste comme toi. Oh. Assieds-toi.
Merci. Tu sais, ces rêves affreux est un message. Et nous devons marteler sur ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va alors faire? Bien, je pense que la première des choses à faire est que changer le testament à son nom et l'envoyer à l'étranger pour qu'elle poursuive ses études. Mais aussi, je dois chercher pour la compagnie un manager, tu sais, pour élever la compagnie. Quand elle va terminer ses études, elle va revenir pour diriger la compagnie. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est comme ça que ça doit vraiment se faire. Hein? Tu sais, je ne perds pas mon temps à parler avec toi. Tu es la meilleure personne qui me soutient à toute épreuve. Merci beaucoup. Eh belle, c'est une bonne chose qui nous soit arrivée. Je t'aime, Annie. Je t'aime aussi. Ok. Allons au lit maintenant, s'il te plaît. Après toi. D'accord. Oh. Où allez-vous très tôt comme ça, sans moi? Oh. Bébé, ne t'ai-je pas dit d'aller au lit à temps, s'il te plaît? Hein, dis-moi. Je l'ai fait. Mais toi et papa, vous devez vous sortir très tôt comme ça. Excusez-moi. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, madame. Bonne journée, mon cœur. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés, c'est pourquoi nous devons partir maintenant. Ok, donnez-moi quelques minutes de m'apprêter et je vous reviens. Alors, s'il te plaît, reviens ici. De peur que tu ne prennes beaucoup de temps. Écoute, je sais que bientôt tu vas aller à l'école. Reste à te préparer pour l'école. Prochainement, on ira ensemble. Mais où est-ce que vous allez tous les deux et que vous n'arrivez même pas à les dire? Même pas un câlin? Pourquoi pas? Allez, viens ici. Tu as des problèmes, toi, ma fille. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'es intéressante, toi. Mais non, je te comprends pas. Tu essaies de dire que tes frères sont intéressés par moi? Yeah. Yeah. Tiso, n'est-ce pas qu'on a parlé de ça hier? Oui, non. Ah. Je ne pensais pas que tu étais sérieuse. Oh. Mais pour être honnête, mes frères cousins, ils ne sont pas de responsables. C'est moi qui te l'ai dit, ils ne sont pas responsables. Tu peux t'imaginer qu'hier, ils se sont battus. Tu dis quoi? Je te l'assure. Fallait voir ça. Pourquoi peut-il arriver jusqu'à ce point-là? Dis-moi, pourquoi ils se sont battus? Je te dis qu'ils ne sont pas responsables. Tu peux pas imaginer pourquoi ils se sont battus. Je te dis le fait qu'ils ont mis là-bas à la maison. Tu sais c'était pour quelle raison? Ils se battent pour une prostituée. Hein? N'essaye pas d'entrer là-bas. Soit Sophie, tu veux te mélanger là-bas aussi. Sans effet. Hey! Ils sont juste des irresponsables. Ces étrangers sont tellement bizarres. Comment est-ce qu'ils peuvent se battre pour une prostituée? Je te dis, tu vois toi-même. Tu sais, lorsqu'on en discutait hier, je ne savais pas que tu étais sérieuse. Honnêtement. Je n'ai jamais su qu'il s'est battu pour une prostituée parce que tu ne m'as jamais confirmé. Oh, je pensais que tu le connaissais. Je pensais vraiment que tu le connaissais. Hein? Mais nous sommes des amis avec toi. S'il faut que je fasse quelque chose de bon pour toi, je le ferai. Mais le problème ici, c'est que mes frères ne sont pas responsables. Ils ne vont pas t'aider. Mon oncle est même fatigué de lui. Tu sais, la seule personne qui est calme ici, c'est Obianchu. Il est la seule à être calme. Comment va Eberichuku? Ouais, il va très bien. Il se débrouille pas mal. Tu sais qu'on peut devenir amis. Bien, écoutez-moi ça. C'est quoi ça encore? Ah oui? Laisse-moi voir une porte pour sortir. Chisom, je sais que tu as vraiment envie de quitter ce village. Hein? Mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé le week-end passé? Tu n'as pas vu ça de toi-même?
Ah, mais c'est très bien. Tu sais, je vais quitter ce village le plus vite que possible. Je ne vais pas être réputée comme une villageoise. Hein? Nous allons tous quitter ce village. Même moi aussi, je vais quitter ce village. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolée, c'était juste pour s'amuser. Bon, sur ce que tu as dit, que penses-tu de ça? Ah, je ne sais pas encore. Mais nous allons réfléchir ensemble. Chief, êtes-vous sûr de ce que vous me demandez de faire? Ah, maître, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Hein? Ne tiens pas compte, peu importe, de son âge. Je m'engage à prendre cette décision. Tu sais que je ne peux jamais faire des erreurs. Bien que ça ne sera pas facile de le gérer. Essayez un peu de trouver la solution. Prends ce document. Merci, monsieur. Prends les numéros de ces dossiers. C'est à peine qu'on a ouvert ces dossiers. Qu'on parle avec un autre qui est là. Fais vite et ramène-le-moi. Chief, vous, avec votre femme, vous avez encore la force. Le mal en est que aucun de vos fils ne veut vous imiter. Regardez, vraiment. Retenez ça. Au moins, nous avons nos propres enfants. Les gens qui n'en ont pas, ils pleurent pour que Dieu leur donne des enfants. Pourquoi devons-nous commencer à pleurer? Ne voyez pas vous que cet amour commence à nous embarrasser? C'est aussi comme une douleur. Hein? Vraiment, c'est drôle. D'ailleurs, je remercie Dieu de m'avoir donné 3 filles. S'il y avait un garçon qui s'ajoutait aux filles, je devrais être plus heureux. Regardez-toi. Je devrais regardez être toi. Heureux plus que ça. Ah, s'il vous plaît, maître. Êtes-vous en train de dire ça à mon mari? Hein? Demande-lui, il est là. Maître. Tout de la même façon, tout de la même façon. Oui, fais en sorte que ça porte les mêmes noms. Pas de problème, pas de problème. Cela se fera très bientôt. Mon ami, fais vite, on doit arriver à temps. Il ne peut pas me voler de cette manière. Hé, hey, calme-toi chérie, s'il te plaît, maîtrise-toi. Si nous ratons ce voyage aujourd'hui, nous allons trouver un autre vol. Ça fait quoi chérie, hein? Écoute-moi bien, tout doit se faire, même sans limite. Je ne veux pas s'élancer d'aller à la police. Pourquoi d'abord je sais. La police? Pourquoi? Je vais moi-même me charger de lui. Je sais, mais on devait avoir fini ces dossiers chérie, s'il te plaît. Chérie, tu dois te calmer, s'il te plaît. Hein? Je ne sais pas, mais c'est tout mes vols depuis longtemps. Tout depuis va longtemps. Se gâter. Chauffeur, s'il te plaît, prends ton temps. Tu ne te déranges pas assez. Pour moi, ça signifie tout. Tu ne peux pas voir. Ça signifie tout pour moi. Ah, mon ami, je te dis, accélère. Je comprends ce que tu dis, mais chérie, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Hein? Calme-toi d'abord. Nous allons arriver. Hein? On va trouver notre vol demain. T'inquiète, chérie. Il n'y a pas d'hasard. Dieu sait que c'est pourquoi est-ce que tu peux rater ce vol. T'inquiète, ok? Chauffeur, s'il te plaît. La même façon, s'il te plaît. Accélère. Ce que j'ai dit, c'est ce que je ferai. Et c'est tout. Écoute. Regarde, arrête avec ce que tu fais. Hein? Écoute-moi, laisse-moi te dire. Fais. Cette Noël qui vient, la Noël qui arrive. Ça, là. Hein? La Noël qui arrive. Oh, hein? Dis-moi si je ne t'achète pas le cadeau, appelle-moi un menteur. Sérieux? Je vais te surprendre. Je ferai ce que tes amis soient jalouses de toi. Oh, tourne là-bas. Écoutez, madame m'appelle. Johnita. Écoute. Johnita. Vas-y. Où est Johnita? Hein? Je ne l'ai pas vue. Je suis en train de la chercher. J'ai faim et je vais manger ma nourriture. Peut-être elle peut être là-bas à la cuisine. La cuisine? Ah,
Je viens de la cuisine, elle n'est pas là. Et mes parents sont déjà de retour? Ils ne sont pas encore de retour. Ah, ok. Cherche Jenica, dis-la que je l'appelle. Ok. Jenica! Vas-y, 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 vas-y. Jenica! Vas-y, vas-y. 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 Madame des madames, bonsoir madame. Chauffeur, bonsoir. Madame, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vont revenir aujourd'hui? Tu en sais quelque chose? Oui. Il m'avait dit le matin qu'ils vont aller chez l'avocat Bamidele dans la ville voisine. Puis après, dans l'ambassade du Royaume-Uni. C'est de ça que je me rappelle. Pourquoi? Madame, je ne sais pas. Peut-être qu'il planifie une très grosse surprise pour vous. Quelle surprise est-il en train de parler? Madame, je ne sais pas où. Mais je pense qu'ils veulent vous envoyer aller étudier au Royaume-Uni. Oui. Quoi? Sans ma permission? Madame, mais c'est votre famille, non? Moi, je ne sais pas où. Mais, vous savez, je ne suis pas censé vous dire tout ceci. À cause de la manière dont vous inquiétez et tout ça, moi aussi, ça m'inquiète énormément. Et alors, je pense que vous devez vous reposer. Parce que j'ai été instruit de vous accompagner à l'école demain matin. Puis, je vais vous attendre et nous allons revenir ensemble comme nous l'avions fait aujourd'hui. Oui. Madame. Je suis désolée, j'étais aussi en train de faire les déjeuners pour toi seule. Je suis désolée de te dire en retard, c'est juste que je suivais une information, c'est ça, je tu suis vois? Un peu désolée. Hein? Et tu étais en train de faire cela sans toutefois demander mon avis. Non, 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 madame, ce n'était pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous dès aujourd'hui. Hein? Tu vois maintenant, tu vois? Hein? Tu vois maintenant ce que tu as posé. J'ai toujours dit ça dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas pardon, entendre. Pardon, pardon, pardon. Et qu'est-ce que vous faites vous dire là-bas? Qui est madame, là? Qui est là? Qui frappe comme ça? Madame, c'est peut-être celle qui était venue vous chercher hier, madame. Fais-lui entrer. Je cherche Chochuko. Je vais savoir dans quelle station de police on l'a amené. Faites-la sortir. Sors vite. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas perdre le temps à parler avec toi. Tu es à moitié nu. Il va te punir. Ne t'arrête même pas là. Il va te punir. Regarde comment tu t'es habillé. Regarde-le. Inutile. Ce n'est pas fini. Waka. Tu me verras encore. C'est ton père, ta mère. Qu'est-ce qu'il y a avec ton visage? Tu t'en rends compte? Ces stupides de filles m'ont giflé. Cette petite fille a eu le courage de te gifler? Hey! Né, hein? Si ce n'était pas à cause de ces gardes qui est dans cette parcelle, c'est que j'allais faire à ces filles. Hey! Hein, bébé? Ne me dis pas qu'il t'a rien donné. Même le petit garçon de l'extérieur, tu ne pourras rien les faire. Tu ne sais rien de tout ça. Pourquoi tu parles comme ça? Leur père avait beaucoup d'argent. Est-ce que ton père en avait? Ils peuvent appeler la police, je te dis, yo. Je m'en vais avant que le pire ne puisse m'arriver ici. Papa, cette fille est drôle. Ah! Bien, tu n'as pas à les blâmer. Tu peux t'imaginer, tu as été son choix. Malgré que ton ami a quitté le pays pour l'étranger. Oui. Mais elle t'apprécie beaucoup parce qu'elle t'aime comme son meilleur ami. Et au même moment, elle cherche par tous les moyens pour qu'un jour qu'elle devienne comme toi. Je vois, papa. Aga est celle que je ne vais jamais oublier, même si je sortais de ce pays. Regarde, elle est ma meilleure amie, papa. Ce qu'elle fait, c'est une chose normale qu'une amie peut faire pour son ami. Attends.
Allô? Oui. C'est moi, Aimé Tchekebe. Oui, le grand frère aîné du boss. Abba Bissel. Hein? Quoi? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Papa, parle-moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi. La journée est ténébreuse. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a appelé, papa? Hein? Madame, madame, attends. Oh. Tu as oublié ça à la maison, peut-être que ça pourra t'aider. Madame, une chose, hein? Dis-moi d'abord, je comptais préparer pour toi ta nourriture préférée, mais je voulais te demander avant que je le fasse. Qu'est-ce que je prépare? Si tu penses que je ne pourrais pas t'épiner pour ne pas avoir dîner avec mes parents, dis-toi que tu te trompes. Madame, désolée. Je te dirai à propos de dîner quand je vais revenir de l'école. Ok, madame. Oh. Ok, désolée. Ah, oh, Eberetti. Où sont tes frères? Ah, oncle, bonjour. Mes frères, mon père les a fait arrêter parce qu'ils étaient en train de se battre. Oh, bien, je peux voir que tu cours derrière les temps pour l'école. Oui, oncle. Non, je suis désolée. Mais tu seras à la maison tout seul parce que mes parents ont voyagé hier. Mais tu peux rester seul jusqu'à ce que je revienne de l'école. Ok, alors. Eberechi. Hein? Eberechuku. Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Je suis très désolé. Tes parents ont été décédés hier suite à un accident de circulation. Tes parents sont morts. Non! Non, c'est bon. Oncle, je ne suis pas sûre de ce que vous dites. Je oui, suis pas sûre. C'est... Non, 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 non. Non, oncle, où sont-ils? Où sont-ils? Non, madame. Non. Madame, calme-toi, madame. Mais qu'est-ce non. que... Non. Madame, s'il te plaît, calme-toi. C'est quoi, hein? Qu'est-ce non, vous savez hein? pas, hein? Oncle. Oui, vous savez pas, ma oncle. Non. Hey. Madame, madame, vous savez pas. Calme-toi, c'est bon. Non. C'est bon, madame. C'est bon. Oh, non. Oncle, non. Vous savez pas, ça va, mais... Ces gens sont décédés juste comme ça, hein? Hey! Non, ce n'est pas possible, laisse-moi pleurer ou... Oh. Hey! Non, je ne sais pas. Hey! Hey! Laisse-moi pleurer, mon boss. Je vais appeler ma fille, Choco. C'est bon, arrête de pleurer. Je sais que tu es encore pour supporter ces choses. Mais tu dois te maîtriser. J'ai fait la bonne chose au bon moment. Prends la bonne décision au bon moment. D'accord? Maintenant, amène-moi dans la chambre de ton père. Oui. Fais-moi confiance. Tu seras d'accord avec ce que je compte faire. Allons-y, amène-moi dans la chambre de ton père. C'est bon, sois calme. Ceci. Je ne vais pas croire que mes parents ils sont partis. Ils sont partis. Il y a rien que tu peux faire. Amène-moi dans la chambre de ton père. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Papa gets money, oh, if the money be wahala.
C'est qui ça? Venez nous ouvrir la porte, nous sommes là déjà. Hey! Okosi! Ah! C'est vrai que mes parents sont décédés. Ils ne sont plus. Non. Okosi! Okosi! Non. Ce n'est pas vrai, Okosi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça pour qu'aujourd'hui je n'aille pas de C'est lui qui a dit où? C'est l'oncle qui nous a informé de leur mort. Je suis parti. Non, ce n'est pas vrai que mes parents sont décédés, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas au Kossi, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas au Kossi. Ce n'est pas vrai au Kossi. N'entre pas dans cette maison tout seul. N'entre pas dans la maison de mon papa tout seul. Non, ils ne sont pas morts au Kossi. Mes parents ne sont pas morts, non, non. Non, mes parents ne sont pas morts. Mon père est mort. Mon père est mort. Oncle, mon père est mort. Oncle, mes parents sont morts. Oncle, oncle. Ah, mes parents sont morts. Oncle, mon père est mort. Hey, oncle, mon père est mort. Oncle, mon père est mort. Oncle, oncle. Oncle, mon père est mort. Oncle, mon père est mort. Oncle, oncle, mon père est mort. Oncle. Oncle, oncle, mes parents sont morts. Oncle, oncle, mes parents sont morts. Oncle, ah, oncle, oncle, oncle. Désolée, madame. Courage, tu dois vraiment être forte. Sois forte, courage, c'est déjà arrivé. Sois forte, s'il te plaît. Tu vas croire qu'ils sont sages. Cet imbécile de Onoche me manque du respect. Vous tenez l'œuf. Cependant, la poule qui pond l'œuf est entre mes mains actuellement. Idiot. Courage, courage, madame. Sois forte, madame. Oh, hey, oncle. Oh, papa ne peut pas nous faire ça, non? Comment est-ce qu'il peut mourir? Non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut pas faire mourir sans avoir laissé même pas un document dans cette maison? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Notre papa que je connais, il allait laisser tout le document à notre portée. Hein? Ce n'est pas possible, non? Ce n'est pas possible. Mais si ce genre de choses ne peuvent arriver quand vous avez un oncle sorcier. Et quand un oncle sorcier vient, c'est ça qu'on est invité. Hein? C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il est venu sans être invité. Voilà pourquoi tout est détérioré comme oui, ça. Oui, parce que j'ai cherché, mais je n'ai absolument rien vu. Est-ce que tu as cherché avec le fétiche? Je ne sais pas si tu cherches ça avec des fétiches que tu verras quelque chose. Ici, tout le monde est en train d'utiliser des fétiches. Et toi, tu ne peux absolument rien voir sans utiliser des fétiches. Et surtout quand tu es en face de quelqu'un qui utilise le fétiche. Comprends. Tu vois pas surtout des oncles qui viennent du village avec la barbe blanche. Ils ont tous du fétiche. Oui, tu as raison. C'est vrai. Je me rappelle qu'ils mettent le fétiche sous leur chapeau rouge là. Mais je sais que notre père, partout où il se trouve, il est fier de nous. Il sait que personne ne peut prendre tout ce qui nous appartient. Personne et ça restera pour nous. Personne ne va nous vaincre. Oui. Tous ceux qui viennent du village ne vont pas nous vaincre. Même si tu viens de la ville, tu penses que tu vas nous gagner. Après lorsque nous devions de toi, tu ne réussiras pas au nom de Jésus. Tous ces plans ne vont pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux jamais faire quoi que ce soit dans notre famille. Nous sommes protégés. Tu ne feras rien. Au nom de Jésus. Bébé. Je t'aime. Mm-hmm.
Notre oncle vient tout juste d'arriver. Est-ce que tu vas bien? Oncle, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oncle... Viens nous rejoindre, oncle, qu'on a une partie à trois. C'est comment? Viens prendre ce que nous prenons, oncle, ça va t'aider aussi. Qu'on a une partie à trois. Oui, ça sera très bon. Oncle... Oncle, c'est moi, tu verras ce que ça fait. Bébé, c'est très bon. Oncle, que Dieu de vous provenez. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Il veut d'abord que nous les fassions pendant la journée avant que nous les fassions la nuit. C'est bon ça. Oncle, ne t'en va pas. Viens, on va faire ça. S'il te plaît, mon oncle. Bon garçon. Eh bien, Rechoko. Tu sais que tes frères sont très agressifs. Je ne sais pas pourquoi tu comptes partir avec eux. Oncle, calmez-vous. Mes frères, ils m'aiment beaucoup. De toute ma vie, ils n'ont jamais été méchants envers moi. D'accord. Et s'il arrivait que... complètement mêlé dans leur combat. Et s'il arrivait qu'ils t'aient menacé pendant que tu essayais de les séparer dans leur bataille. J'ai beaucoup appris chez mon père. Alors, je connais comment est-ce que je peux les redresser. Écoute. Ce que tu feras maintenant, c'est de m'écouter. Je te supplie pour la deuxième fois. Ne pars pas avec eux. Reste ici avec moi. Le testament sera lu. C'est alors nous saurons quoi faire à partir de là. Oncle, non. Si je reste avec vous, je vais rater mes examens. Et si je rate mes examens, je ne serai pas proclamée. Alors, laisse-moi partir avec toi. Non, 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 non. Ne venez pas. Si tu viens avec moi, tu seras en fait. Juste, croyez-moi. Je sais comment les gérer. Eh bien, Rechoko, si tu me dis que tu sauras les gérer, mais je sais que tu es oncle, très différent d'eux. Oncle, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais me sauver. Je vais me sauver. Es-tu sûr? Je dois partir. Qu'est-ce qu'il y a de plus avec cette fille? Qu'est-ce que c'est? Mais allons-y, c'est quoi tout ça? C'est quoi ton problème? Essaie de te respecter, oh. Fais attention. Fais-toi respecter, oh. Viens ici, viens. Non, mais entre là-bas, hein. Je peux te rendre compte de cette bêtise. Ouvre ce portail. Ouvre ça. Ouvre ça. Ouvre. Et quand je demande de faire le jeu, tu fais le jeu lentement, n'importe quoi. Attendez, j'ai dit attendez. Mais toi aussi, dépêche-toi. C'est pas ça. Attendez. Il faut vite fermer le portail avant. C'est bon, papa. Je suis désolée. Ça va, ma fille. Ça va aller.
Tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous deux, je ne vous comprends pas. Vous ne pouvez jamais arrêter de vous battre. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Chauffeur, arrête-toi ici. Arrête-toi ici! Non, non, ne t'arrête pas, tu peux continuer. Laissez-moi passer, je vais m'asseoir là où il y a les chauffeurs. Laissez-moi. Laissez-moi passer. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? This is your fancy, don't sleep at all. Encore, diginaka, diginaka, diginaka. Ebele chuku, ebele mwa. This is your fancy, don't sleep at all. Encore, diginaka, diginaka, diginaka. Ebele mwa, I know you are too young for this battle. But you have to fight a mo, mama. Baki, what you want, kitty? Oh, you live well on. If you keep silent, the enemies go enter. If they enter, na double wala. Ebele, chuku. Non, je n'ai rien fait, oh. Non, non, je n'ai rien fait. Ne touche pas ces mecs. Non, 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 n'importe quoi. Et toi, là, si tu essaies de le faire, tu verras ce que je t'ai fait. Si tu essaies de le faire, nous aurons allumé le feu. Oh, pardon, grand frère. Je te demande pardon. Donne-moi la clé. J'ai dit, reste là. Ne fais rien. Ne blague pas avec moi. Si tu oses lui donner les clés de côté, tu verras. Ne lui donne pas ça. Tu oses me défier dans cette maison, toi? Tu dis? Tu es en train de me créer des problèmes? Attends que je te dise une chose. Je ne te défie pas. Je ne fais que ce qui est juste. Nom de Dieu, faut que tu fasses attention. Alors, qu'est-ce qui est bien? Hein? Cette voiture appartenait à notre mère. Et aussi longtemps que notre mère est morte, cette voiture appartient à Ebere Chuku, qui est donc notre cadette dans cette maison. Oh, ok, Chuku. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce véhicule? Tu vois notre véhicule? Je ne veux pas vous voir là à l'intérieur. N'y touchez même pas. Remets-moi les clés. N'essaye pas, en tout cas. N'essaye pas de le faire. Quand je parle, toi, tu te poses. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es malade? Qui es-tu? Ok, Chuku. Ne me cherche pas. Attendez. Regarde ton véhicule. C'est le véhicule. Je n'ai aucun intérêt avec toutes ces voitures. Ne touchez pas mes deux véhicules. Je n'ai aucun intérêt avec toutes ces voitures. C'est bon, c'est trop. Mais tu vois celle-ci, tu ne vas pas la prendre. Non, c'est bon. Arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est la raison pour laquelle Ong m'avait dit de rester avec lui au village. Si vous continuez avec ces comportements, ramenez-moi au village. Ramenez-moi au village. Ne me cherche pas dans cette maison. Non, ne me cherche pas. Je te préviens. Fais attention. Ne me cherche pas. Mais tu es au courant que je... Je ne vois pas ça sur ton visage. Ce n'est pas écrit dessus. Ok, Chuku. Chuku Emeka. Chuku Emeka. Il est parti où? Il est parti où? Regarde. Remets-moi les clés, non? Quitte ici, va là-bas à l'intérieur, c'est quoi ça? Tu ne peux rien faire dans cette maison. Attention avec moi. Je vais te tuer. Ne sais pas si tu veux m'énerver. Arrêtez, grand frère, arrêtez. Arrêtez, grand frère, allons-y. Allons-y à l'intérieur. Attends, laisse-moi te demander. Qui est-ce que ton grand frère? Qui t'a dit dans ta tête que tu es mon frère? Quand je te pose mes questions, je n'ai pas peur de toi. Je vais te tuer. Arrêtez, je n'ai pas peur de toi. Je vais te tuer. Je n'ai pas peur de toi. Tu vas mourir. Allez, lâche-moi. Tu vas mourir. Lâche-moi. Tu vas mourir. Attends. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Imbécile. Tu regardes.
Viens, viens, va se battre. Eh bien, Chukou. Eh bien, Chukou, je te poserai cette question. Eh bien, Chukou, je sais pourquoi je suis en train de manigancer toutes ces choses. Eh bien, Chukou, j'aimerais juste te faire comprendre que cet homme n'est pas une bonne personne. Notre oncle est un sorcier. Alors, s'il te plaît, en fait, écoute. Est-ce que tu l'as déjà vu détenir les documents de papa? Grand frère, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Pourquoi vous demandez ces documents? J'espère que l'avocat viendra nous lire les testaments dans 2 semaines. Je sais toutes ces choses. Le problème, c'est que je veux que tu me dises. Je veux juste que tu me dises une chose. Juste un grand frère. Je suis censé d'avoir la vérité. Dis-moi seulement. Tu sais, en fait, cet homme n'est pas une bonne personne. C'est un méchant. Oh, je t'ai dit que je ne connais pas les intentions de l'oncle. Ni ses planifications. Laisse-moi te révéler ses intentions. Ses intentions sont telles que et il veut te séparer de nous pour qu'il se serve de toi afin de voler. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas qu'oncle peut planifier une telle chose. Je ne crois pas qu'oncle peut le faire. Je ne crois pas. Bien sûr, laisse-moi t'en parler maintenant. Est-ce que tu sais que cet homme veut nous diviser ici? Laisse-moi te révéler maintenant qu'il veut te séparer de nous, de telle sorte qu'il se serve de toi. Non, mon frère, non, arrête de dire ça. Laisse-moi te dire mais dans 2 semaines, l'avocat sera là. Mais c'est difficile à comprendre. C'est quoi ton problème? Hein? Pourquoi es-tu en train de la déranger? Ok, je le comprends. C'est parce que papa t'a toujours considéré comme un fils prodigue. C'est pourquoi tu t'inquiètes autant pour ce qui sera écrit dans ses testaments. Hein? Arrête de la déranger. C'est bon. Mon frère, je vais te poser une question. Je t'ai observé pendant un moment et j'ai constaté que tu fumes dans la maison. Dis-moi un peu, pourquoi tout ça? Peu importe, nos parents ne sont plus là, donc il n'y a plus de règles dans cette maison. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, donc. C'est là ma fête. Est-ce que tu as compris ça? Elle a dit que tu dois arrêter. Arrête de fumer. S'il te plaît, tu dois maintenant entrer dormir. Tu ne peux pas rester ici jusqu'à 7 ans de la nuit en train de parler avec cet enfant prodigue. Tu vas rien faire. Ainsi donc, c'est ça le testament que votre papa avait laissé. Attends. Est-ce que je t'ai entendu dire que tous nos biens, là en ville, y compris cette maison, appartiennent à Ebere? Et tous les biens qui sont au village, et tout le terrain, 20 hectares, 30 hectares, parce que je sais très bien que mon beaucoup de terrain, y compris ma propre maison. Ma propre maison appartient maintenant à mon oncle. Mais je ne t'ai pas entendu dire que... Et telle ou telle chose appartient à... Chukwu Emeka. Maître, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, est-ce que tu me dis que c'est le nez que tu viens de lire ou il y a encore d'autres testaments qui sont là dans ce sac que tu n'as pas encore lu? Monsieur l'avocat. Hein? Cher monsieur l'avocat, j'étais appelé à 3 reprises pour que tu ne dises pas que j'étais manqué du respect. Ceci n'est pas le testament original. Va maintenant prendre l'original pour que tu le lises. Lequel est l'original? Écoute, laisse-moi te dire. Ça, ce n'est pas. Non, reste d'abord ici. Je connais très bien mon père. Il me connaît également. Mon père m'a clairement dit en me regardant droit dans les yeux. Il m'a dit, Chukwu Emeka, tout ce que je possède t'appartient. Et comment est-ce que tu peux me dire que je n'ai absolument rien? Non, mais maître, dis-moi.
où est passé le vrai testament? Non, mais où est passé le vrai testament, maître? Assieds-toi. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Maître, ne me cherche pas. Cherche la paix, ou? Ne cherche pas parce que tu perds ta vie. Moi, je suis capable de te donner ta vie. Hey. Ne te dérange pas pour ce petit garçon. J'ai accepté que tu lis le testament. Tu peux le lire. Avec tout le respect que je vous dois. Non, non, attends d'abord. Attends d'abord. Est-ce que je t'ai entendu dire que tout est à toi et que tu es le seul fils? Tu veux avec moi? Hein? C'est ce que tu as dit. Lorsque notre papa. Tu es mon grand frère. Parce que je n'ai pas peur de toi. N'attends-tu pas lorsque notre papa. Tu vois? Tu penses que moi je suis ton ami? N'attends-tu pas lorsque notre papa. Est-ce qu'on était d'accord sur ça? Hein? Est-ce que c'est de cette façon qu'on s'était mis d'accord? Hein? Le seul fils. Hein? On n'était pas d'accord avec ça. Hein? Comment peux-tu dire ça? Non, 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 ce n'est pas bien. Si, ça. Ce n'est pas juste ça. Pourquoi vous m'amenez m'arrêter? Pourquoi? Tu dois te taire. Tu dois te taire. Oui, pourquoi? Allons-y. Oh, mais je ne te comprends pas. Avancez, taisez-vous. Avancez, arrêtez de vous plaindre. La police ne sera jamais arrêtée. Je te dis, attention, je vais tirer. Pourquoi? Avance. Je risque de te tirer. Allons-y. On doit juste vite. De parler. De vite. Nous allez, avance. Allez. Je vais tirer. Avance. Avance. La police. Qu'est-ce que la police vient faire? Calmez-vous. Je ne vous condamne pas, vous deux. Je crois que vous n'avez pas reçu votre salaire il y a des mois passés suite à la mort de mes parents. Je crois qu'il y a des mois maintenant. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter vous-même. Dès demain, vous serez payé. Oui. Je ne veux pas que l'absence de mes parents puisse vous affecter. Parce que je serai là. Je vais me rassurer d'être gentil avec vous. Encore une fois, merci pour votre amour. Merci, madame. D'accord, madame. Vous pouvez rentrer dans vos postes. Madame de madame. Merci, madame. Merci. Ha! Général! Oncle, j'ai pensé... Quoi? Pourquoi ne pas partager l'héritage avec mon frère? Je dirais, je ne peux pas les abandonner quand même. Et aussi, je ne peux pas les laisser à la police. Ebere Choco. Quand un enfant dit que sa mère ne dort pas, je me répète, quand un enfant dit que sa mère ne dort pas, cet enfant ne dort pas lui aussi. Tes frères ont choisi quelque part où travailler. Mais laisse-les travailler sur ça. Oncle, je ne peux pas voir toutes ces richesses moi-même. Partager cet héritage avec et pour que nous soyons unis. Veux-tu aller à l'encontre de la volonté de ton père? Non. Oncle, mon père m'a laissé toutes ces richesses. Parce qu'il sait que je vais bien les gérer. Je vais les gérer. Alors, partageons cela avec mes frères. Et la paix va régner dans notre famille. Mmh. Et cela arrêtera l'air bagarre. Ok. Est-ce que tu t'es toi-même posé la question? Pourquoi ton père t'a confié tous ses biens pour les gérer et mettre ton nom dans le testament? Je veux que tu te concentres sur ta propre vie pour le moment. Laisse tes frères. Je dois les gérer de la manière dont ils doivent être gérés. Et je serai en paix. Je te l'assure. Ok, ok, oncle. Je vais revenir après. C'est d'accord. Ah! Ebere Choco. Ebere Choco. Ton père n'était pas fou, oh!
Ma fille, tu as dit que tu devrais me montrer quelque chose. Oui, oncle. Attendez. Ok. J'étais partie chercher ses documents dans son bureau. Et j'ai remarqué que le gérant de mon père lui vole depuis maintenant 5 ans. Ça. Ma fille. Je n'ai même pas besoin de regarder les papiers. Tu sais que je ne suis pas éduqué comme toi et ton père. Mais puisque tu les as examinés, c'est bon pour moi. J'étais juste en train de penser. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Vous savez quoi? Je veux que vous me suiviez au bureau demain matin. Non. Je ne vais pas partir avec toi au bureau demain matin. Premièrement et d'abord, je dois aller au village et déclarer le testament aux anciens de notre clan. D'accord? Avant que toute chose ne soit faite. Et Ebere, il y a quelque chose que je veux te laisser. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ça. Je veux que tu l'appliques dans ton corps tout le temps pour te protéger toi-même. Oncle, c'est quoi donc ça? Hey, je suis désolée, mais je ne peux pas. Ceci ne concorde pas avec ma doctrine. Je ne serai pas capable de le faire. Non, ceci n'est pas méchant. Pas de changer ta foi en Christ. C'est juste une manière pour toi de te couvrir, pour ton bien-être. Pour ta sécurité. Oncle, c'est bon. Pour ta protection. C'est trop. C'est bon. Vous savez quoi? Vous devez aller dans votre chambre maintenant et vous reposer. Et je ne vais plus voir ces trucs dans cette parcelle. Et ne venez plus jamais avec dans cette maison. Merci. Ma fille, je me rappelle pas. Oncle, c'est bon. Allez-y dans votre chambre. Comme je l'ai dit, je ne vais plus voir ça dans cette parcelle. C'est juste pour ta sécurité, oh. This is your fight, don't sleep at all. Comme je disais, dans cette vie, nous souffrons. Hey! Oui! Nous allons marcher à partir d'ici, jusqu'à là en haut. Marcher? Marcher, même pas avec une bicyclette. Hey! À la recherche de quoi? La nourriture. Hey! Oncle, c'est une longue distance, oh! Ce n'est pas comme maintenant, vous les gens, vous êtes en train de vous réjouir. Vous vous réjouissez de la manière dont nous souffrons depuis longtemps. Hey! Nous marchons, parfois nous marchons jusqu'à ce que nous allons voir l'extrémité même. Hey! Hein? Et vous continuez à marcher seulement comme ça? Qu'est-ce que nous allons faire? On n'a pas d'option. Oncle, je vous ai cherché partout dans la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Général! Quoi? Général! Hey! Ebere, Chuko. Ebere, Veri. Ouh! Regardez la manière dont tu as grandi. La nuit dernière, tu t'es habillé comme un bébé. Oncle, je suis toujours un bébé, d'où je dois m'habiller très bien. Dans la compagnie, tout le monde sait que je suis leur boss. Oui, tu as bien parlé. Tu vois, comme un boss, tu dois te protéger toi-même. Comment? Spirituellement et physiquement. Oncle, s'il vous plaît, ne revenez pas avec l'histoire que vous m'avez présentée autrefois la nuit. S'il vous plaît, épargnez-moi avec cette histoire. Je vous ai dit que je ne peux jamais utiliser cela. Je vous en supplie. N'importe quoi. Je sais que tu as raison. Tu ne seras pas forte de cette manière. Tu vois, je vais devoir appliquer cette huile dans ton corps avant de dormir. Parce que je sais que tu ne vas jamais accepter. Je te l'avais rappelé la nuit dernière. Tu y as besoin de cela maintenant, pas plus que jamais. Oncle. Est-ce qu'on peut changer cette discussion? Mon chauffeur est en train de m'attendre.
Allons-y, je pourrais peut-être vous déposer quelque part. Allons-y, je suis en retard pour le travail. Allons-y, oncle. Ebele Njuku, Ebele Mwa. This is your fancy, don't sleep at all. Encore, begina, begina. C'est bien comme tu l'as découverte. Ça s'est fait devant ta présence. La fille qui avait un bel avenir dans cette compagnie. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas surprenant. Le problème est de bien faire son travail. Elle n'a même pas fait l'école secondaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais elle arrive à bien faire son travail. Est-ce que tu comprends? Ce que nous voulons, c'est faire avancer l'entreprise. Hein? Tu dois tirer ça au clair. Discutez-en à tête reposée. Et dis-lui ce que tu veux de cette compagnie. Non, ce n'est pas à toi de le faire. D'accord? Bien. Je ne pensais pas vous trouver assise là en train de parler. Donc, je ne pensais pas faire une réunion juste pour vous dé comme ça. Ok, je vais aller droit au but. La première des choses que vous devez savoir, vous ne pouvez jamais prendre une décision sans pour autant avoir sans l'accord ma propre ou la permission du DG. Et deuxièmement, je dirais ceci, la décision du DG est irrévocable et ne peut jamais être changée. Troisièmement, vous n'avez pas le droit de chasser ou de blâmer quelqu'un dans cette entreprise s'il a mal fait. Seul le DG a le pouvoir de le faire. Madame, je comptais aller contrôler le travail de l'autre côté avec votre permission si vous me permettez d'aller. Hey! T'es un philosophe. Tu sais qu'il n'était pas du tout d'accord. Tu aurais dû voir leur visage. Patronne, vous savez, je vous disais que cela va marcher. Je vous le disais. Vous voyez? Et merci beaucoup pour les services. Je vous en prie. Comment étais-tu capable de connaître tout ça? Je travaillais avec le chief pendant 5 ans. Et j'ai toujours été à la voiture avec lui. Et j'entendais ses conversations avec ses partenaires tous les temps. Je savais que ce que les gens auront besoin de vous, c'est votre audace. Et pour les montrer que vous avez de l'audace et que vous êtes sans crainte, vous devez leur expliquer ça pour que tout le monde sache que vous êtes sans crainte et vous êtes courageuse. Pour que les gens puissent vous suivre. Dans vos consignes, vous devez être très performante. Merci beaucoup pour tout. Arrête! Arrête-toi là! Arrête! Vous! Sortez de là! Descends vite ici! Sortez de là! Sortez de là! Descends! Vite ici! Par terre! Vite! Passe là-bas! Va là-bas! Par terre vite! Rapidement! Prends vite la fille! Laissez-moi! Laissez-moi! Ne me tuez pas! Je vous donnerai tout ce que vous allez demander! Ne me tuez pas! Pardon! Montre-moi comment tu danses, oh, montre-moi comment tu bouges, oh. On y va. Bouge ta hanche vite, oh, bouge ta hanche vite. Viens vite ici. Aïe, toi vraiment. Alors dis-moi, qu'en est-il de ce que tu m'avais dit que tu vas m'acheter? Les cadeaux? Oui, non, je t'inquiète, je vais te l'acheter. C'est ce que tu m'as toujours dit. Oh, ne t'inquiète pas. Vous faites l'amour, c'est ça?
Regarde maintenant ce qu'il a fait. Il a finalement tué ma soeur. Il a tué Omenuchu Chisouni, il a tué. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mon père l'avait mis en garde, mais n'avait pas écouté. Et finalement, ils ont tué ma soeur. C'est bon, des ça sorciers, suffit. Ils sont tellement méchants. De vrais méchants, ah, Emelochukou. Tout ce que j'avais dans cette famille est fini. Ebere, pourquoi? Tu sommes, je suis fini. Je suis fini. Oh. Hey, si ne s'était pas approché de lui, cela n'aurait jamais arrivé. Ça n'aurait jamais arrivé. Ça n'aurait jamais arrivé. Emere, Emere, oh, tout ça, c'est parce que tu n'as pas voulu écouter. Non, elle n'a pas voulu écouter, c'est ça le problème. Si elle avait écouté, tout ça, ça n'aurait pas pu arriver. Ça n'aurait pas pu arriver. Inspecteur. Oui? Je suspecte ces garçons d'être derrière ça. Ces gens ont été arrêtés et mis en prison. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Bien, je ne sais pas comment vous les prouver et vous les expliquer, mais je suis conscient de ce que je dis. Honnêtement parlant, vous parlez comme un suspect parce qu'il n'y a qu'un membre de famille qui sait ce qui se passe là au fond de la famille. Avec votre façon de parler, vous êtes vraiment sur la liste de mes suspects. Inspecteur, vous avez raison. Ces garçons ne peuvent pas opérer à partir de la police. Ça doit être quelqu'un de la famille. Peut-être les personnes ne se trouvent pas ici. Je peux me porter garant de lui. Il ne le sait que lorsque je l'appelle au téléphone. Alors le Franck que vous avez arrêté, il est juste suspecté. Est-ce que vous me comprenez? Je m'arrête là. Ne me mêle pas dans ça. Quelques heures avant que Belichukou soit attaqué et kidnappé, elle avait découvert que M. Franck avait décaissé 1 million de naira du compte de l'entreprise. Et elle les aurait cherchés dans le but d'obtenir plus d'éclaircissements. Êtes-vous sérieux? Bien sûr. Alors dites-moi, qui est-ce qui pourrait être sur la liste des gens à suspecter? Ah! J'avais failli de tenter de protéger Berechoku. Mais je ne savais pas. L'ennemi s'était caché pour nous attaquer. Ishebe chéri, ne te condamne pas du tout. Tu as fait de ton mieux, même là où ton frère se trouve actuellement. Il sait que tu as essayé. Donc, ne te blâme pas. Inspecteur, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine? S'il vous plaît, puis-je voir ce Franck? Il est dans notre chambre, non, maintenant il reçoit de la torture. Il doit nous dire où Ebelechukwu se trouve, vivante ou morte. C'est bon, inspecteur. Tu as fait ton travail. Pendant que je rentre à la maison, pour réveiller mes ancêtres, afin d'intervenir, pour qu'ils vengent pour nous. Vous pouvez faire tout comme bon vous semble, dans le but de ne commettre aucun crime. Mais ne pensez pas que je vais libérer ces hommes. Et ils ne vont pas dormir ce soir. Pas de problème. Laisse-moi partir. Maître, allons-y. Ah, papa. Pourquoi je suis arrivée là où vous êtes? Tu n'es pas encore prête, ma fille. Tu y as encore des choses à accomplir pour les autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Regarde bien autour de toi. Et dis-moi, est-ce que cet endroit ressemble-t-il au monde? Suis-je morte? Oui. Tu l'es, ma fille. Ebele. C'est déjà tard pour toi de pleurer. C'est ça ton destin. Non, s'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être épargnée de ça? Juste comme ton père vient de le dire. Ton esprit n'est pas encore disponible à nous. Dès que ça sera prêt, tu verras toi-même. À
Alors dites-moi, que dois-je faire pour les bombards? Jusqu'à ce que tu sois enterré dans le pays de tes ancêtres et dans la concession de ton père. Alors, ton esprit sera guéri et prêt à venir vers nous. Papa, comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais le faire toute seule, papa? Comment je vais le faire? Va à la maison. Retourne à la maison, ma fille. Rentre à la maison, ma fille. Exhorte tes frères. Chercher ton corps et te ramener à la maison. Frère Emeka. Frère Emeka. Frère Emeka. Frère Emeka. Maman, papa, j'ai essayé de leur parler, mais ils ne m'ont pas vu. Ils n'ont pas entendu ma voix. Je n'ai même pas pu les toucher. Alors comment est-ce que je peux leur dire de me ramener à la maison? Ma fille, le mystère de la communication que nous croyons dans le monde est difficile. Tu dois le faire avec la force de l'esprit qui veut être libre. S'il vous plaît, dites-moi comment est-ce que je peux le faire? Dites-moi s'il vous plaît, je ne veux pas être seule. Je veux être avec toi et maman. Bébé, je vais t'apprendre comment utiliser ton esprit. Parce que personne ne te rendra libre jusqu'à ce que tu apprendras à le faire toi-même. Maman, merci. Merci d'avoir cette volonté de m'apprendre. Merci beaucoup, j'aimerais apprendre, maman. Anne, tu peux maintenant sortir. Va leur dire que nous rentrons là-bas au village pour prendre ce qui nous revient de droit. Nous rentrons là-bas pour prendre toutes les propriétés de notre père. Et sache que tu n'as plus aucun droit. Non seulement toi et tout celui qui l'environne, personne n'a les droits sur les propriétés de notre père. Va leur dire que nous viendrons pour tout prendre. Oui, va le leur dire tous. Mais c'est surtout pas de blaguer. Fais-le comme on te l'a dit, sinon tu ne vas pas aimer ce qu'on va te faire. Tu as essayé de me séparer avec mon frère, avec tes fétiches. Malheureusement, tous tes plans n'ont pas marché. Oncle, tu as échoué. Mais tu as dit que tu vas rentrer au village, de prendre position ou de revendiquer les propriétés de ton père. Oui, nous venons prendre chaque chose l'une après l'autre, même ce petit terrain-là. Tu vois, la maison dans laquelle tu vis là, c'est une des propriétés de notre père. Nous arrivons pour tout prendre. Nous allons prendre ça. Vous pour que tu saches que nous sommes sérieux, oncle, maintenant tu peux sortir. Attendez d'abord. Et tu n'as rien à attendre. Va, n'attends rien. C'est quoi ton problème? Va-t'en. C'est quoi ça comme histoire? Va l'accompagner. Viens, va ouvrir cette porte. Ne vous en faites pas. Voilà. Je pars. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Allez, sors d'ici. Vas-y, ne reviens plus jamais. Détendez-vous, je sors déjà. Ouvre ce portail, va-t'en. Ouvre ce portail. Tu peux sortir? Sors de notre parcelle. Ne reviens plus. Donc, vous voulez venir nous tuer comme vous avez tué nos parents? Donc, vous pensez qu'on est des lâches? Vous pensez qu'on est des lâches? Ne reviens plus ici! Vous voulez nous tuer comme vous l'avez fait avec nos parents? Tu n'es qu'un féticheur! Oublie-les, s'il te plaît! Oublie-les, s'il te plaît! S'il te plaît, demande-moi la clé du véhicule! Mais qu'est-ce que c'est encore? Donne-moi la clé du véhicule! Qu'est-ce que tu veux encore? Donne-moi la clé du véhicule! Mais pourquoi tu me touches encore? On a déjà tout réglé, non? C'est quoi ton problème? As-tu perdu ta tête? Attends, j'arrive. Toi, là, tes fétiches là ne vont pas marcher. Attends-moi d'abord. Je suis là. Tu peux maintenant essayer, ma fille. Merci, maman. Et souviens-toi d'ouvrir ton cœur constamment pour tous ceux qui souhaiteront te voir ou te parler. Ok, papa, merci.
Calme-toi. Je suis là pour t'épargner. Pourquoi non? Pourquoi non? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien qui nous concerne encore, nous deux. Tu es déjà morte, non? Je vais te parler, toi et grand frère. Où est vous deux? Je veux que vous m'écoutez très bien. Alors viens avec moi. Descends d'abord. J'arrive, s'il te plaît. Est-ce qu'elle t'est aussi apparue? Non. Où est-elle? Non. Elle avait dit qu'elle va venir ici. Elle va venir. Et tu fais semblant comme si elle n'était pas apparue. Comment vous allez, mes frères? Laisse-nous tranquille, non? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Laisse-nous tranquille. Chut! Asseyez-vous. Hein? Hein? Asseyez-vous, parlons en famille. Tu entends? Asseyez-nous. Je crois que vous vivez maintenant en paix. Alors, oui. Laissez-moi aller droit au but. Où j'étais partie, je vis nos parents. Et on a parlé. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Il y a quelque chose qui m'avait arrêté de s'approcher d'eux. Ils ont dit que cela sera possible. Que lorsque je serai enterrée, selon la tradition, et je rencontrerai nos parents. Alors, je demande que vous m'ameniez à la maison et que vous m'enterrez selon la tradition. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et quand est-ce que tu vas le faire? Demain? Hein? Je dois rencontrer les anciens du conseil. Et puis, ensemble, on va trouver une date. Ok. Je crois que vous êtes d'accord, c'est bon? Oui. Et dans ce cas, tu vas arrêter de nous apparaître. Oui. Écoute, c'est toi qui es le premier fils. Alors, je ne veux plus de tout ça. Je te laisse cette maison. Je m'en vais. Je m'en vais. Je ne veux plus revenir ici. Et comment je vais faire ici? Comment je vais vivre ici, oh? Alors cela veut dire, je vais vous rejoindre, vous dès à très bientôt. Comment as-tu réalisé ce que tu nous avais promis? Oui, non? Oui, bien sûr, je connais les chemins. Maman, papa, tu aurais dû les revoir maintenant. Ils ne se battent plus. Ils ne se querellent plus. Ils sont maintenant unis. Ils coopèrent maintenant ensemble. Ce qui faisait en sorte qu'ils se battent ne signifie plus rien pour un pour le moment. Ils sont maintenant collés serrés l'un à l'autre. Oui, ils sont collés serrés. Et tu penses qu'ils feront comme promis? Bien sûr, maman. Je sais que mes frères m'aiment beaucoup. Veuillons confirmer ce que tu nous as dit. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas du tout négociable, c'est pas négociable. Attends d'abord, attends. Laisse-moi tranquille. Calme-toi. C'est mon droit. C'est mon droit. Est-ce que c'est normal ça? Je ne doute pas de ça.
Chukwemeka, mais la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce village, nous ne l'avons pas encore fait. Nous avons une raison pour laquelle nous sommes venus dans ce village. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui est plus important que mes terrains? Dis-moi, non? Est-ce que tu t'en rends compte? Tu sais de quoi nous parlons ici? 10 hectares! C'est le plus important! Nous avons promis à Bere Chukwu que nous allons fixer une date pour son enterrement. As-tu oublié? Non, mais. Qu'est-ce que tu penses? Non, mais à quoi tu penses? Non, qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Regarde, fais attention. Tu sais de quoi nous parlons ici? 10 hectares! Et quoi donc? Si on fait ça, tout de nos vies va changer. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire de cet argent? Tu planifies déjà même de vendre la terre. Mec, si on prenait ces terrains, je te donnerai ta part et tu en feras tout ce que tu veux. En ce qui me concerne, je vais tout vendre pour ne plus rentrer dans ce village. Je sais que je ne viendrai plus dans ce village. Le village de notre papa. Chukwemeka, tu as un problème. Tu as un problème dans ta tête, Chukwemeka. Chukwemeka, n'oublie pas la raison pour laquelle nous sommes venus. Tu es censé parler avec les anciens. N'essaye pas de l'oublier. Ne l'oublie pas surtout, s'il te plaît. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? Regarde, je connais cet homme. Cet homme est très très méchant. Et je te jure qu'il doit leur avoir promis un terrain pour chacun d'eux. Et voilà la raison pour laquelle tous les soutenaient. Et je ne leur permettrai jamais d'agir comme ça. Jamais. Mais s'il te plaît, restons sur l'essentiel, s'il te plaît. Attends, écoute. Lorsque nous aurons fini avec tout ce que nous avons à faire, nous allons diviser la terre. J'aimerais construire un hôtel sur ma portion de terre. Je ne sais même pas ce que tu veux foutre avec un hôtel dans ce village. Non, mais est-ce que tu es fou? Hein? Qu'est-ce que je vais foutre avec un hôtel dans ce village? Nous devons vendre ce terrain et quitter ici. Laisser tous ces méchants hommes avec leur méchanceté et leur sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais d'abord, pourquoi je veux construire un hôtel dans ce village? Cette terre appartient à notre père. Qu'est-ce que je veux faire avec un hôtel dans ce village? Ça appartient à notre père. Lorsque nous allons vieillir, nous aurons un endroit où venir. Au moins, nous aurons une propriété que nos enfants pourront hériter. C'est toi qui reviendras. Moi, jamais. Nous avons beaucoup d'endroits où on peut aller. On a beaucoup de propriétés là dans la ville. Et ce n'est qu'ici qu'on viendra. Revenir chez ces sorciers. D'ailleurs, je ne suis pas prêt à toutes ces choses. Peut-être que tu as un problème dans ta tête. Je n'en suis vraiment pas prêt. Hein? Je vais vendre mes propriétés. Je vais partir d'ici. Arrêtez de crier. Je vous avais dit, je ne suis pas contre vous. Alors pourquoi vous n'avez pas respecté la promesse que vous m'avez faite? Eh hey, Beletuk, laisse-nous tranquille, non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Laisse-nous tranquille. Tout ce que je veux, que vous me ramenez à la maison. Je vais arriver là où il y a nos parents. C'est l'un après l'autre. Lorsque nous aurons fini de récupérer notre terre de ces méchants oncles, nous allons t'enterrer, s'il te plaît. S'il te plaît. L'oncle est méchant? Vous voulez dire que notre oncle est méchant? Ah! Tu ne sais même pas toi qui es du monde spirituel. Nous tous, nous savons qu'il est très méchant. Il utilise d'ailleurs de fétiches. Il est un homme très méchant. Il est sans cœur. Hein? Il veut récupérer tout ce que notre père avait. Il veut nous tuer et tout récupérer. Il est un homme méchant. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas me ramener à la maison? Bien. Je vais lui visiter. Et lui demander pourquoi il veut prendre votre héritage. Elle est partie. Oh. Mais c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle vient nous déranger? Pourquoi est-ce qu'elle vient nous déranger? Mais c'est quoi ce comme histoire, non? Est-ce que tes parents ils sont là? Est-ce qu'ils nous tourmentent? Ah, mais je ne comprends pas. Oh. Moi, j'ai déjà marre de toutes ces choses. J'en ai déjà marre. J'en ai vraiment marre. S'il te plaît, on peut faire le pied, s'il te plaît. On peut abandonner cette voiture. Qu'on fasse le pied, qu'on parte là-bas. Que je parque la voiture. Oui, parque cette voiture et partons à pied, non? Est-ce qu'elle va apparaître lorsque nous allons marcher? Ce véhicule. Mais ne sais-tu pas que ce véhicule. Mon frère, mais c'est à cause de cette voiture. Oh. Qu'est-ce que ceci signifie? Comment suis-je censé savoir? Hein? Comment suis-je censé savoir? Moi, je n'arrive plus à rien comprendre. Pourquoi est-ce qu'il est fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il doit nous apparaître? Hein? Pourquoi est-ce qu'il veut que je nous apparaître? Mais pourquoi? C'est ce que notre oncle voulait peut-être dire lorsqu'il disait qu'il nous attendait au village. C'est de cette manière qu'il veut nous combattre. Il veut nous combattre spirituellement, en faisant apparaître notre sœur pour venir nous combattre. Je ne pense pas vraiment. Il veut nous rendre fous. Oui, il veut nous rendre tous des fous. De telle sorte qu'il puisse revenir et afin de tout réclamer. Ce n'est pas possible. Comme c'est spirituel, alors je vais l'attaquer spirituellement.
Mais pourquoi est-ce qu'il doit agir ainsi? Pourquoi est-ce que ce monsieur veut tuer tout le monde? J'ai toujours connu oncle Aimé Chabé comme un méchant, mais pas à ce point. Non, mais franchement. Salut, mes frères. Papa, c'est quoi les problèmes? Hein, papa? Ça sera un sentiment de honte pour moi. Je te jure au nom de mon père, à jamais, si je permets à ces garçons de prendre ces terres. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ces terres? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce que tu les connais bien? Ce n'est pas que tu ne me connais pas bien, ma fille, mais c'est le plus grand et c'est le plus long héritage que notre père nous a légué. Juste, tu viens de dire ça, héritage. Avez-vous pensé aux enfants de votre frère? Pourquoi les ravir les terres? Ils ont le droit d'avoir ces terres. Écoute, abandonne ces terres et tu auras la paix. Appelle ça comme bon te semble. Sois rapide avec ça. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Ces garçons n'auront même pas une petite partie de terre. Peu importe ce que ça va me papa, coûter. Papa, tu n'es plus la bonne personne que je connais. Tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma fille, je suis toujours... Le papa que tu as connu. Oui, je n'ai pas changé pour le mal. Fais-moi confiance. Papa. Tu sais, tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, ça me permettra d'avoir la paix. Laisse-moi aller m'asseoir, je pense. Ah. C'est tout ce que j'ai besoin de toi maintenant, d'accord? Papa, je sais de quoi je parle. Papa, je sais que tu n'es plus le même homme que j'ai connu. Tu as vraiment changé. Papa. Papa. Si seulement tu avais écouté ce que je t'avais dit, ma fille. Si seulement tu avais pris au sérieux mon conseil. Rien de ceci n'aurait pu arriver. J'ai essayé de sauver l'héritage de la famille. Et même, j'ai tenté de sauver la vie de Ebere Tchoukou. Mais je ne savais pas quel ennemi va agir aussi rapidement. Oh, mon frère. J'étais dessus, mon frère. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais il y a une chose. Oncle vous aimait beaucoup. Et il ne vous a jamais déçu. Mais ce que je ne comprends pas est que mes frères l'accusent d'avoir volé leur héritage. Je suis confuse. Comment est-ce qu'elle n'est pas au courant? À propos de quoi? Comment tu étais morte? C'est vrai. Suis-je morte? L'amour qui est dans ton cœur t'empêche de connaître tes ennemis. Même quand tu étais en vie. De quoi parlez-vous? Juste dites-moi, je suis confuse.
Comment est-ce que je suis morte? J'aimerais savoir. Ne regarde personne. Juste regarde-toi toi-même et sois concentré en toi. Et tu te souviendras de tout. Elle doit être enterrée. Elle veut qu'elle soit enterrée dans la terre de ses ancêtres. Elle veut être avec ses ancêtres. Voilà pourquoi on est là. S'il te plaît, on ne sait vraiment quoi faire. Alors, aide-nous, tu es notre seul espoir. S'il te plaît, Zenadja, s'il te plaît. Nzira kambona na manone uno na kuna tia tira mu makana wa toromba toropa kala. Vous la verrez. Plus encore. Elle s'est éloignée, loin de vous. Mais, si vous pouvez faire, vous devez le faire. Grand maître, la vérité du problème, c'est que nous ne savons pas où elle est. Nous ne savons pas où trouver son cadavre. Jeune homme, si vous trompez encore, oh Dieu, vous allez mourir avant que la nuit arrive. Vous avez la chance, l'amour, elle avait envers vous quand elle était vivante. C'est la seule raison. Elle n'avait pas vu celui qui était complice dernièrement avant sa mort. Mais elle s'est réjouie avec ses parents. C'est autre chose. C'est la chose qui vous donne la chance. S'il te plaît, Ezenadja, ne condamne pas mon frère. Nous savons où se trouve le corps. Et on peut toujours le faire. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas l'amener à la maison. Comment pourrons-nous expliquer aux gens ce qui lui était arrivé, hein? S'il te plaît, nous voulons juste qu'elle disparaisse pour de bon, qu'elle n'apparaisse plus. Fais en sorte qu'elle n'apparaisse plus, nous ne voulons plus la voir. Wawadji. Plus jamais. S'il te plaît. Wawadji. Awadji. Oh, c'est le jeune boy. Awadji. Pourquoi m'avez-vous tué? Je vous aimais de tout mon cœur, tous les deux. Mais vous m'avez payé à retour en prenant ma vie. Pourquoi? De toutes les façons, tout ce que je veux que vous me ramenez à la maison. Oui, tu as l'audace d'apparaître dans mon sanctuaire et faire ta demande. Reste loin de ça. Hors de mon sanctuaire. S'il te plaît. Sors de mon sanctuaire. Et n'ose plus déranger tes frères. Oui, oui. Je ne cesserai pas de les tourmenter jusqu'à ce qu'ils me ramènent à la maison. Quitte mon sanctuaire maintenant. Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi à la maison. Peut-être pas vraiment partir pour de bon. Qui est cet homme? C'est un médecin traditionnel. Mais tout ce que je veux, c'est être avec vous.
qu'il me ramène à la maison. Ma fille, ils n'ont pas l'intention de te ramener à la maison. Ils veulent te sacrifier. C'est toi qui vas les vaincre. Comment? Ne sois pas très lâche. Force-le de t'emmener à la maison. C'est ce que je vais, mais comment est-ce que je peux les forcer? Ce messier est tellement puissant. Toi, tu es plus puissant que eux. Et je sais que tu ne le sais pas. Non, je ne le suis pas. Je n'ai pas la puissance, papa. Je n'en ai pas. Pouvoir de la vengeance, ma fille. Vengeance, c'est ce que tu vas dire. C'est ce que tu as besoin pour qu'il te ramène à la maison. Ce que vous êtes en train de dire, comment je peux l'utiliser? Je vais t'apprendre. La police a retrouvé le corps de Belechukwu, mais vous savez que le corps s'était décomposé. En tant que ses grands frères, nous nous étions décidés que le corps ne revienne plus par ici. Hein? Donc, nous nous étions décidés que nous passions directement à l'enterrement. Donc, nous voulons que vous informiez aux anciens. Dites-leur que nous viendrons demain pour l'enterrer. Cher monsieur très méchant qui se prend pour notre oncle, je sais que ton cœur est dans la douleur, je sais que ton cœur est brisé, parce que nous venons récupérer nos terres auprès de toi. Mais ça ne t'empêche pas du tout de faire ce qui est juste. Je veux aussi que tu saches qu'avec l'autorisation de tous les anciens de cette terre, juste après l'enterrement de notre sœur adorée que nous allons enterrer demain, nous allons récupérer tout ce qui nous appartient. Donc, allez-y les informer. On sait déjà ce que tu es au fond. On le sait très bien. Et aussi, il faut se préparer pour la cérémonie funéraire pour que son corps soit bien enterré. Cause this life is too short to wake up in the morning with regrets. Oh, people change, things go wrong, but just remember, life goes on. The life you live is more important. Euh,
Merci. Tu es très contente. Oui, maman. Ils sont maintenant en route. À très bientôt. Je serai avec toi et papa. Tu dois être là pour te rassurer que tout se passe très bien. Non, maman. J'ai besoin d'être ici. Je suis impatiente d'être avec vous et de vous serrer dans la main. Ma fille, n'ai-je pas parlé de te ramener à la maison? Ton cercueil doit être ouvert. Tous ceux qui t'aiment ne pourront pas te voir. C'est alors les aveugles pourront te voir emprisonné. Papa, je ne comprends pas. Dans cette partie du monde, avant que tu ne rejoignes les ancêtres, les gens doit ouvrir ton cercueil. Chaque larme venant de toi sera entendue par les ancêtres. Nous n'avons pas refusé que ce n'est pas notre fille.
nous avons accepté sa mort. Mais dans cette communauté, la tradition exige que nous voyions d'abord son cadavre avant d'aller l'enterrer. Nous n'allons pas l'enterrer comme ça. Faudrait qu'on ouvre cette bière. Ah, jamais. Et ce qu'on y qu'est. Personne ne va toucher à ce cercueil. Pour qui vous prenez-vous? Pourquoi vous nous faites commettre des bêtises? Ce cercueil ne va jamais être ouvert. Jamais. On doit ouvrir cette bière. Qu'êtes-vous pour dire ça? C'est nous qui sommes sa famille directe qui avons dit que nous allons enterrer Eberechukwu. Nous allons l'enterrer. Ferme ta bouche. Oui. Arrête de crier. Tu y es devant les anciens de la famille. Ceci va être ouvert. Jeune homme, tu n'as aucun droit dans ces contextes. Nous sommes les anciens de ce village. Nous décidons qui doit être enterré dans ces villages et aussi qui ne le doit pas. Et pour ça, cette bière doit être ouverte. Ah ouais, c'est mensonge. Ok. Mensonge. Je connais qui. Pour qui vous prenez-vous? Les choses se passeront telles que nous les voulons. Toi, esprit têtu. Oh. Je t'ai dit aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, je dois te briser. Je vais te briser, t'envoyer au séjour des morts. Je vais te montrer que je suis très puissant. Comme ça, ferme-la. Dans cette communauté, nous ouvrons d'abord le cercueil avant que nous l'enterrions. Tous les deux, vous devez arrêter. Jamais. C'est ce qu'on va voir. Non, personne ne va l'ouvrir, sinon je vais tirer. C'est votre soeur. Je vais te tuer, oh. Vous prenez où? Oui, je vais te tuer, oh. Confessez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? Tout ça. Tu ramènes la maison. Tu ramènes la maison. Tu ramènes la maison. Mais c'est quoi le problème au juste? Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Je veux confesser, oui. J'accepte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Non, c'est quoi le problème? Je veux tuer. Je ne comprends absolument rien. C'est bien moi. Je veux tuer le chukou. J'ai mal. Arrête, s'il te plaît, j'ai déjà confessé, s'il te plaît. Arrête. Hey, ce n'est pas vrai. Non. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. C'est moi qui l'ai tué, arrête de me frapper, arrête s'il te plaît. Je confessais, ça suffit, c'est moi qui t'ai tué. Ils ont tué mon Eberechukwu. J'avoue. Sans perdre le temps, ton frère voulait changer les habits sur son chemin avant sa mort. Maintenant, qu'est-ce que... Il avait changé son testament. J'ai peur même de voir comment on l'a habillé en rouge. Maître avocat, tu as dit que tu n'as pas le temps, mais parle. Ça, ce n'est pas professionnel. Mais je sais que tu peux protéger Eberechukwu. Bien sûr. Ton frère a laissé tous les biens de la ville à Eberechukwu. En attendant, récupère le bien du village. Ok. C'est tout. Mais ce n'est pas un problème alors. C'est bien comme tu me l'as parlé maintenant. C'est bien. Alors, le jour que nous allons lire ces testaments, je vais signaler à la police pour arrêter ces garçons. Mon frère a fait exactement ce qui était supposé d'être fait. C'est ça. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce que ça ira? Je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Oui, c'est très bien. Alors, tu veux dire que nous allons utiliser leur plan contre eux-mêmes?
Mais ça ne sera pas du tout facile, oh. Nous aurons besoin d'un officier de police pour nous aider. Tu as raison. Voilà la raison pour laquelle j'avais fait tous les arrangements pour discuter avec inspecteur Tony. Mmh? Mais premièrement, nous devons être unis et se faire confiance mutuellement. Faire confiance? Comment sommes-nous censés nous faire confiance? Comment puis-je te faire confiance? Ok, Chukwu. On dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Hein? Regarde, nous n'avons plus aucune alternative. Sinon, tous ces criminels seront utilisés pour que nous perdions tout ce que nous avons. En fait, tout est en jeu, même cet immeuble. Ils vont nous les ravir. Donc c'est à cause de tout ça que je m'étais décidé que nous fassions un vœu. Un vœu. Un vœu d'unité. Et c'est quel genre de pacte, ça? Serment de sang. Oui. Ah que si. Es-tu sûr? Ah bon, mais du coup? Ah pourquoi que aussi? Tout ce qui est raconté autour d'Akosi n'est pas faux. Et par rapport à ce sujet, sache que je suis vraiment sérieux. Je ne veux pas le faire. Regarde, c'est... Ce n'est pas vraiment pour me battre contre toi. Et tu es mon sang. Tu es mon frère, alors je ne vais pas me battre contre toi. Assieds-toi. Prends place. Commence d'abord chez toi. Je demande de t'asseoir. Commence d'abord chez toi. Viens t'asseoir, mon frère, viens. Ah, viens. Je ne veux pas de ça. Commence d'abord chez toi. Assieds-toi. Assieds-toi en premier. Assieds-toi. Assieds-toi, non? Ok, tu restes toi. Attends, attends, tu vas voir. Hey. Tu es mon sang. Et je t'aime beaucoup, mon frère. J'essaierai de t'aimer aussi. Je m'en vais avec le couteau. Oui, va avec ça. D'accord. S'il te plaît, pas d'erreur. Faisons ce qui était prévenu. Ok. Courage. S'il vous plaît, je suis toujours un bébé. N'oubliez pas que je suis votre sœur. Ne me faites pas d'image, s'il vous plaît. Je vous en supplie, mes frères. Je suis votre sœur. Tais-toi. Quand je t'ai arrêté, qu'est-ce que tu avais fait? Hein? C'est ton dernier jour. Attendez, écoutez. Je n'ai jamais su à propos de ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je peux même vous montrer où se trouvent les documents, s'il vous plaît. Croyez-moi. Et je t'avais même demandé de me dire où se trouvaient tous les documents. Et je t'avais aussi demandé de ne pas permettre à Oncle Bechebe de nous faire mal. Mais tu ne m'avais pas écouté. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Couvrez-la. 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 Je ne suis pas content de ce que nous venons de faire. Est-ce que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse? Est-ce que j'étais obligé de tuer ma sœur pour obtenir gain de l'héritage de mon père? Je ne saurais plus continuer de le faire. S'il vous plaît, vous pouvez faire ça.
Si tu m'avais écouté, tout cela n'allait pas arriver. Où est-ce qu'ils sont nés ces deux? Essaie de te calmer, calme-toi s'il te plaît. N'as-tu pas des enfants? Un garçon? Mon frère, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Hein? J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire, voir si je peux avoir une autre femme pour avoir ma grossesse. Je cherche à prouver au monde que ce n'est pas moi la cause de sa stérilité. Mais ça n'a pas tenu. Est-ce que tu veux qu'elle reste comme ça ou un autre homme vient la sainter pour moi? Non. Écoute mon frère. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est d'adopter un enfant pour faire une famille. C'est tout ce que je veux. Mais parle à nos ancêtres. Ils te donneront des enfants. Ils te les donneront. Bien sûr. Je ne crois pas aux ancêtres. Je ne les crois pas. Hey. Abba, tous les enfants adoptifs vont mettre du feu dans cette maison. C'est toujours la même chanson. Mon frère, j'ai déjà vu tous ces paramètres. Un garçon à qui je peux prendre bien soin de lui, même si le deuxième s'ajoutait. Je te promets que je promets de les envoyer étudier à l'université à l'étranger, l'université de leur choix. Hein? Écoute, moi et ma femme, nous devons se sentir à l'aise comme si ces enfants, c'est nos enfants biologiques, s'il te plaît. Bien. Ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos du futur de nos enfants. Vas-y comprendre, fais que ton cœur devienne en paix. Mon frère ne parle pas des conséquences. Je vais assumer. Je vais assumer toutes les conséquences. Hein? Moi, j'ai besoin de ton soutien. Et j'ai besoin que tu me fasses une promesse que tu vas garder les secrets. C'est tout. Hein, c'est mon bon. Frère. Je le promets. Merci beaucoup. Tu ne penses pas que j'ai besoin aussi d'un enfant? Épouse une autre femme pour que te donne un nouvel enfant. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du fait que je ne suis pas encore marié. Moi, je veux un enfant et je vais ajouter un autre. Hein, mon frère. D'ailleurs, je suis tombé amoureux de ma femme. Hein, mon frère. C'est pourquoi je vais adopter un autre enfant. Un autre enfant. Un autre enfant qui peut... qui me donneront la joie comme si j'étais leur parent biologique. Hein, mon frère. S'il te plaît, ne refuse pas. Je l'accepterai à une seule condition. Hein, c'est quoi comme condition, mon frère? Je vais implorer la grâce de nos ancêtres pour ton cas. Enfin qu'ils te donnent les enfants. Et s'ils le font, tu vas retourner au Dieu. D'accord. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a encore, mon frère? Hein? Je ne vois pas le faire. La promesse ne se réalise pas. Le Dieu m'a promis de me donner les enfants garçons. Maintenant que moi je manque les enfants, je refuse de retourner vers eux. Une fois la promesse veut s'accomplir, ils te donneront cette fruit qui est dans le ventre. C'est comme ça que tu auras ces enfants. Dis-leur que je refuse jusqu'à ce qu'ils vont me donner les garçons qu'ils m'ont promis. C'est tout. C'est comme ça que tu es en train de quitter ma maison, n'est-ce pas? Parce que le Dieu a réalisé ton souhait. Ok. Hein? Tout ça, c'est ma faute. J'ai adressé mes prières au Dieu de te sécuriser et de te protéger. Mais tu ne comprends toujours pas. Mon frère, je ne peux pas croire ceci. Les dieux m'ont promis de me donner leurs enfants. Ma femme est enceinte. Tu vois? Ne te fais-je pas dit? C'est bien. J'en ai besoin. Hein? Regarde, le Dieu de nos ancêtres, je suis prêt à bénir tous celui qui cherche des enfants. Tu as raison, je suis une personne juste. Voilà pourquoi ils m'ont béni. Mais tu n'as pas oublié les promesses que tu avais faites au Dieu. Oh mon frère, comment est-ce que je peux les retourner les dos? Je ne peux pas, en aucun jour. Je suis content pour toi. Merci beaucoup mon frère. Content.
J'espère que ta femme l'est aussi. Non, elle est vraiment contente. Calmez-vous, tu as beaucoup pleuré. Mais j'ai tenté de sauver ta vie. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous aussi. Il ne me reste qu'une seule vie maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, doucement. Tu as beaucoup pleuré. C'est censé être moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je suis désolé, Bélé. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je vais prendre l'une de tes filles. Hé, hey, mon Dieu. Hé. Bélé. Bélé, tu crois? Calme-toi. Pourquoi Ebele Choco? Essaye un peu de te calmer. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, calme-toi. Mon frère va me blâmer. Il ne faut pas dire des choses comme ça, s'il te plaît. Ebele Choco! Mon frère va me blâmer. Calme-toi, mon frère. Mon frère va me blâmer. J'étais dessus, mon petit frère. Hey! Je suis certain que tu vas me blâmer. J'ai tenté de sauver ma fille de ce garçon. Ma fille, laisse-moi me suicider. Je pars avec non, elle. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Pardon, mon frère. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.